Pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Nairobi au Kenya. Comme le veut la tradition ici au pays, c'est un membre du gouvernement qui accueille les hôtes de marque. Ceci étant, le ministre du Pétrole et Mines, John Munyes Kiyonga, était à l'aéroport Jomo Kenyatta, où tous les protocoles d'honneur étaient scrupuleusement respectés pour l'accueil du président congolais. Félix-Antoine Tshisekedi est venu participer à la quatrième session de l'Assemblée générale du Programme des Nations Unies pour l'environnement. La réunion de Nairobi va traiter des problèmes du changement climatique qui frappe le monde entier et dont les conséquences sont très graves pour les continents africains. La prise de parole du président Tshisekedi devant des experts et organisations engagés dans cette cause est très attendue dans le cadre d'un panel sur les thèmes de la préservation des forêts. Avec sa forêt équatoriale, la République démocratique du Congo, on le sait, est le deuxième poumon mondial pour juguler les effets des gaz à effet de serre. Initiatrice de ces sommets, la France est représentée à Nairobi par son président de la République. Et en marge de cette réunion, il est prévu un tête-à-tête entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron.